Il a de la gueule, ce samouraï. C'est un petit peu d'ailleurs ce que l'on peut dire pour le jeu aussi. Ce jeu a de la gueule. Quand même. C'est pas le jeu le plus bluffant sur pas mal de points. Surtout qu'étant donné on sort de The Last of Us 2. Donc en termes de réalisation technique, on n'est clairement pas au niveau. Mais faut avouer que ce jeu, putain, qu'est-ce qu'il a de la gueule. C'est impressionnant. Donc, bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo test aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on s'attarde sur Ghost of Tsushima. Qu'est-ce qu'il est chiant à dire ce titre, c'est horrible. Il y a trop de st dans le titre, c'est chiant. enfin bref. On est sur ce fameux Ghost of Tsushima sorti le 17 juillet 2020 sur PlayStation 4. C'était un jeu mine de rien qu'on attendait depuis un certain moment, depuis même énormément de temps. Parce que ça fait combien? Ça doit faire au moins 3 ans, je crois, ou 2 ans, peut-être. Ça doit faire 2 ans au moins qu'il est annoncé. Sans cesse repoussé, et malgré le coronavirus et toutes ces conneries. Eh ben, il est sorti quand même, enfin, au mois de juillet 2020. Donc, ça a été développé, un truc qui est assez intéressant, mine de rien. Ça a été développé, je crois, par le studio Sucker Punch, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, pour tout vous dire, je ne connais pas ce studio. Mais, je crois que c'est leur premier jeu ou pas, je ne sais même pas. Mais en tout cas, enfin, ce test est en direct, hein, déjà, comme vous l'avez certainement deviné. Et je suis très embêté. Je suis très embêté. Enfin, pas vraiment très embêté. C'est un truc que j'assume complètement. Mais disons que, bah déjà, vous avez vu certainement la miniature. Vous avez vu certainement la miniature pour ce vidéo test. C'est putaclic. C'est clair, c'est putaclic. Mais en même temps, c'est en gros ce Ghost of Tsushima, pour moi, c'est un gros plaisir coupable. Pourquoi? Là, c'est un gros plaisir coupable parce que tout ce que ce jeu me propose, tout ce que ce jeu peut me proposer, eh ben, ce sont des choses qui me débectent, notamment dans pas mal de jeux. Dans pas mal de jeux, notamment les jeux estampillés Ubisoft, surtout. Marchand de teinture blanche, tiens donc. Oui, c'est une semi-découverte, hein, encore une fois. Je n'ai pas terminé le jeu, mais vu le contexte, vu le style de jeu que c'est, je ne pense pas avoir besoin de le terminer véritablement à fond, pour pouvoir vous parler un petit peu en détail, de ce jeu. Donc, Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez certainement vu les critiques et tout le bordel. C'est un jeu qui s'inspire énormément d'un style de jeu en particulier, d'un style de jeu qui est devenu viral, qui est devenu assez infect, même pour beaucoup de gens, à savoir, c'est un jeu d'aventure, d'action-aventure, en monde ouvert à la Assassin's Creed. Et d'ailleurs, beaucoup de gens comparent à raison, beaucoup de gens comparent à raison ce Ghost of Tsushima avec la série des Assassin's Creed, parce que au niveau de la mécanique de jeu, au niveau de la façon de jouer, je veux dire, les Assassin's Creed ont eu un gros impact dans la création, enfin, peut-être pas la création, mais disons, dans l'implémentation de certains codes pour un certain style de jeu, notamment le jeu d'action-aventure à monde ouvert. Et si vous voulez, bah, ce Ghost of Tsushima, eh ben, il suit tout simplement la même lignée. Mais il nous propose une vision un petit peu différente, à savoir, on se retrouve sur l'île de Tsushima, je crois. Voilà, on se retrouve sur l'île de Tsushima qui est divisée en 3 régions. Donc vous avez la région Izuara, la région Toyotama et la région Kamiyagata. Donc ça va être un jeu qui va être énormément porté sur l'exploration. Il y a évidemment un scénario, il y a un fil rouge, il y a un personnage principal, celui que l'on voit ici, qui est magnifique, qui répond au nom de Jin Sakai, qui est un chef samouraï, je crois, un chef d'une famille de samouraïs.
Et globalement, ça va être un petit peu le fil conducteur. Le jeu se passe tout simplement dans un Japon féodal qui se fait tout simplement envahir par l'armée mongole. Et le gros fil rouge va être tout simplement enfin, le but va être de bouter les Mongols en dehors de l'île de Tsushima. Rien de bien supérieur, évidemment, on va avoir un Némésis qui répond au nom de Khotan Khan, je crois, qui est certainement le fils ou le petit-fils, je crois, de Genghis Khan. Je ne me souviens plus trop des détails, mais en gros, il faut bouter les Mongols en dehors de l'île de Tsushima. Ni plus, ni moins. Et donc, dans ce genre de jeu, eh ben, comme tous les Assassin's Creed qui existent depuis je ne sais combien d'années maintenant, ça fait combien? Ça fait 15 ans que la série des Assassin's Creed existe dans ces eaux-là. Eh ben, on va se balader dans un open world. Cet open world va nous proposer pas mal de petites localisations, pas mal de petites missions, des quêtes annexes en tout genre, en plus, évidemment, des quêtes principales. Et c'est techniquement ce que moi j'appelle un jeu pour nous occuper. Voilà, c'est un jeu qui est là pour nous occuper, qui est rempli de pas mal de petites choses à droite à gauche. Et d'ailleurs, cette vidéo va être séparée en deux parties. Il va y avoir une partie en direct où je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire à droite à gauche dans ce monde. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même visité quasiment toute l'île du Sud. Bon, j'ai à peine commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai à peine commencé l'exploration d'ici là, parce que là, ça va être la suite, ça va être tout simplement la suite du scénario, donc je n'y suis pas encore allé. Mais qu'on soit clair, à l'inverse d'un jeu comme un Far Cry ou un Assassin's Creed, où en général j'y joue une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures et après je laisse tomber parce que j'en ai rien à foutre et que le scénario ne m'intéresse pas. Et que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et que je trouve super chiant. Eh ben, pour ma part, comme je vous l'ai dit, Ghost of Tsushima, pour moi, c'est un plaisir coupable. C'est un plaisir coupable parce que c'est exactement le même style de jeu. Si jamais vous n'aimez pas les Assassin's Creed ou je ne sais quoi, le genre de jeu typé open world, action-aventure, qui pullule sur la scène vidéoludique depuis des années maintenant, vous aurez du mal certainement avec ce Ghost of Tsushima. Du moins, je le pense. Parce que pour une raison que j'ignore, c'est tout ce que je déteste. Comme par exemple ici. Vous voyez, ici, là, c'est un espèce de petit mini-jeu. C'est un petit mini-jeu qui nous permet d'augmenter nos capacités. Et hop là, ça nous demande de faire des petites combinaisons. Faut un petit peu se concentrer. Faut aller assez vite, hein. Faut aller assez vite pour le coup. Et facile. Voilà. Donc petit mini-jeu terminé. On augmente les capacités de notre personnage. Et c'est encore une fois, c'est un truc ultra classique, à savoir, vous allez avoir plein de petits trucs comme ça. Des petits points. Comment dire? Des points d'intérêt, voilà, des lieux d'intérêt, ça va être ça par exemple, c'est pour couper les bambous, c'est pour augmenter ce que le jeu appelle la détermination. Voilà, c'est la petite, ce sont les points jaunes en fait, les ronds jaunes qui sont en bas à gauche de l'écran, en dessous évidemment, c'est ma barre de vie. Le style, le kunai 4, ça c'est tout simplement les armes de jet que je possède. Donc oui, tu peux rentrer ton arme. Un truc que j'aime énormément, par exemple, dans ce Ghost of Tsushima, c'est le choix qu'ils ont pris dans une interface complètement épurée et complètement minimaliste. C'est-à-dire, là, j'ai l'arme dégainée, j'ai mon sabre, mon katana qui est dégainé. Comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très épurée, et notamment, parce que évidemment, comme vous le savez, dans ce style de jeu, comment ça se passe en général? Bah, tu prends un endroit où tu veux aller, tu mets un repère dessus, et c'est marre, et tu suis le repère. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère dégueulasse à l'écran. Il y a une petite indication en haut à gauche, donc village de pêcheurs de Ketchi. On commence à y aller, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, hop là, ça disparaît. C'est-à-dire que même pendant votre exploration, vous n'êtes pas. Votre visuel n'est pas complètement cancérisé par une interface trop invasive.
Et le simple fait, par exemple, parce qu'il y a énormément de jeux qui sont comme ça, je ne sais pas, comme les Watch Dogs, par exemple, où tu as un gros trait à suivre, t'as un gros trait à suivre sur la route qui t'indique la direction à prendre. Dans d'autres jeux comme les Assassin's Creed ou même les God of War, même God of War, t'as un gros pointeur, un gros indicateur qui casse un petit peu l'immersion. Et ça m'agace un petit peu parce que mine de rien, dans ce genre d'action-aventure typée open world, bah pour ma part, le plus intéressant là-dedans, c'est l'exploration. C'est complètement l'exploration. Pour tout vous dire, là, je dois en être à, je sais pas, peut-être une trentaine d'heures de jeu, un truc du genre. Je ne sais pas si jamais je peux le voir dans les options, ça m'étonnerait, hein. Je crois qu'on ne peut pas le voir, même quand on sauvegarde. Ouais, même quand on sauvegarde la game, on peut pas voir le nombre d'heures que l'on a. Quoique, information. Non, non, on peut pas voir le nombre d'heures de jeu que j'ai directement ici. Mais je dois en être, voilà, à plus d'une trentaine d'heures. Et je veux dire, j'ai quand même pas mal visité. J'ai fait un petit peu de choses à droite à gauche. J'ai fait énormément de quêtes annexes. Dès que j'avais un petit truc, un petit lieu à découvrir, j'y allais. Enfin, j'ai joué le jeu. Voilà, j'ai joué le jeu comme ce que je fais dans ce genre de jeu, c'est-à-dire. Pour moi, l'exploration est ultra importante. L'exploration est véritablement ultra importante dans ce style de jeu. Et c'est un petit peu ce qui pêche pour ma part dans les jeux Ubisoftiens. C'est que ça. Ben, j'en ai rien à foutre en fait de l'exploration parce que pour ma part, c'est beaucoup trop grand. Et ça me décourage en fait. Moi qui adore l'exploration, ça me décourage. Ou alors, il faut que tu mettes des choses dans ton monde ouvert qui suscitent mon intérêt. Et pas qui me font chier. Qui m'ennuie, je veux dire, le surplus de quêtes annexes, par exemple, dans la série des Assassin's Creed, c'est-à-dire tu vas voir un PNJ, tu parles, va faire ci, va faire ça, va faire ci, va faire ça. C'est pas vraiment le cas dans ce Ghost of Tsushima. Évidemment, il y a ce genre de quêtes à la mort moelle-neuve qui sont un petit peu agaçantes pour ma part, mais la différence, c'est que Ghost of Tsushima met énormément l'accent sur l'exploration, et il fait vraiment en sorte que notre exploration du monde soit la plus agréable et la plus fluide possible, et surtout la plus immersive. Comme je vous l'ai dit, dans la plupart de ce style de jeu, t'es cancérisé par plein de petits indicateurs à droite à gauche qui sont là en mode oui, il faut que t'ailles là-bas, il faut que t'ailles là-bas. Et surtout, le gameplay, oula, attendez, on va essayer de sauver. Hop là. On va essayer de sauver ces paysans, voilà, ça c'est fait. Le gameplay, par exemple, il est assez simpliste, mais il est assez exigeant également. C'est beaucoup basé sur le timing, c'est beaucoup moins permissif qu'un Assassin's Creed. Et encore une fois, c'est un petit peu moins visible. Il n'y a pas de gros indicateur qui te dit appuie sur le bouton Y pour pouvoir parer et que tu peux parer absolument. Tout n'importe comment, enfin je veux dire, dans le gameplay, il y a une petite subtilité dans ce gameplay. Terrier de renard, je l'ai fait celui-là ou pas? Ah non, je l'ai pas fait. Vous voyez, ça c'est encore une petite mission. Voilà, donc le terrier de renard est ici. Ça c'est encore une petite mission annexe qui va nous permettre d'améliorer les capacités de notre personnage. En fait, quand on a un terrier de renard ici, il faut suivre tout simplement le renard. Ce dernier va nous amener à un petit hôtel, et en fait on va honorer l'hôtel, et en fait ça nous permet de déverrouiller des emplacements pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle des charmes. Alors les charmes, ce sont des accessoires que l'on peut assigner à notre personnage. Hop là, où est-ce que tu passes mon grand toi? Hop là. Bon, le système de plateforme, il n'est pas oufissime, hein. C'est beaucoup moins souple qu'un Assassin's Creed, mais c'est pas ultra dérangeant. Voilà, donc on honore la statue. Merci mon petit. Merci mon petit. Et voilà, donc sanctuaire d'Inari requis pour obtenir le charme de puissance d'Inari 2. Donc il faut que j'honore encore deux sanctuaires comme cela pour pouvoir déverrouiller tout simplement l'accès à d'autres charmes. Tout ça, on le voit dans équipement. Donc vous voyez, là, si je veux, je peux appliquer
Voilà, je peux ajouter un autre charme, évidemment. Enfin, ce sont des accessoires. Chaque accessoire te permet d'avoir des petites modifications, comme là, par exemple, augmentation de 15% des gains de détermination. La détermination, comme je vous l'ai dit, c'est les points jaunes. Et ça nous permet de faire des actions, certaines techniques, ou alors tout simplement de nous soigner également. Charme de guérison divine, dissimulation. Les ennemis arrêtent de vous chercher 40% plus vite. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Les flèches ennemies ont 15% de n'infliger aucun dégât. Oula, ça c'est complètement pété. Tiens, on va le mettre. Parce que ça, pour le coup, les archers, c'est une plaie. Voilà, les archers, c'est complètement une plaie. On a pas mal, comme vous pouvez le voir, de petites pièces de customisation pour notre. Alors, c'est un katana, par contre, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un sabre. Je me souviens plus comment ça s'appelle le petit poignard que l'on a. Ça a un nom, mais je m'en souviens plus. Attends. Un tanto. Voilà, c'est ça. Donc, on peut choisir une petite customisation. Le jeu est très généreux en termes de customisation, que ce soit du sabre, que ce soit du katana, du tanto, ou alors de notre équipement classique, de notre tenue. On peut s'équiper d'un masque, par exemple. Moi, je l'aime bien. Moi, je vais pas changer, hein, je vais pas changer ma tenue, mais bon, vous pouvez voir un petit peu ce que l'on a, sachant que je n'ai pas du tout déverrouillé beaucoup de styles d'armure, mais comme vous pouvez le voir, ça peut être assez, c'est assez généreux, franchement, c'est assez généreux. Puis en plus, on peut les customiser. C'est du cosmétique, voilà, c'est du cosmétique, mais c'est également du pratique, car chaque armure a ses propres capacités. Comme l'armure de clan de samouraï, vous avez tous les ajouts sur la droite, comme réduit tous les dégâts de façon majeure. C'est une armure un petit peu lourde. Augmentation modérée de la santé. Subir des dégâts contre 15% de détermination. Confère 15% de détermination. L'armure brisée, je crois que ça c'est une armure que l'on a dès le départ. Peut-être qu'on va pouvoir la réparer plus tard. Il me semble qu'il y a une quête d'ailleurs qui nous permet de la réparer un petit peu plus tard. L'armure de Tadayori. Alors, augmentation de la vitesse d'encoche et d'armement. Donc ça, c'est vraiment une armure si jamais vous avez envie de vous la jouer archer. Moi, je garde la tenue de voyageur parce que c'est une armure, entre guillemets. C'est une tenue qui est là pour l'exploration. Voilà, qui est là pour faciliter ton exploration. Augmente de 30% le brouillard de guerre levé sur la map quand vous voyagez. Trouver des artefacts en suivant le vent directeur, etc., etc. C'est moi, étant donné que j'aime beaucoup l'exploration dans ce genre de jeu, mais c'est ça le truc en fait. C'est ça qui est impressionnant. Parce que je vais vous parler quand même avant de vous montrer le. Enfin quoique non, je vais vous parler du gameplay d'abord. Je vais d'abord vous parler du gameplay et puis après je vais vous parler pour moi de ce qui est le point fort du jeu. C'est évidemment son exploration, mais c'est également son monde. J'aime énormément le monde ouvert de Ghost of Tsushima. J'adore me balader dans ce monde ouvert, je trouve qu'il est très bien fait, je trouve qu'il est magnifique, l'ambiance est excellente et je vais vous montrer évidemment quelques paysages qui ont été faits et sans déconner, c'est ouf, franchement sans déconner, moi j'ai trouvé ça complètement ouf. Ah, tenez, regardez, on a un petit lieu à découvrir juste derrière, bon il n'est pas très loin donc on va le faire. Voilà, lieu à découvrir, on y va. Donc oui, ça c'est voilà, c'est la petite subtilité que j'adore particulièrement. Dans ce Ghost of Tsushima, c'est que quand on doit suivre un indicateur, bon là étant donné que je suis vraiment proche, là étant donné que je suis proche de cet indicateur, il est indiqué à l'écran. Mais si jamais vous êtes éloigné, pour ne pas vous canceriser la vue complètement pendant votre exploration et pendant votre voyage, vous devez suivre la direction du vent. Et c'est un petit détail à la con. Clairement, mais putain que c'est un détail à la con que j'adore. C'est une superbe idée. C'est vraiment une superbe idée. Ça te permet de te déplacer tranquillement sans avoir, voilà, un petit indicateur qui est là pour te dire oui, alors faut aller là-bas. Ah merde, putain, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Je croyais que je pouvais aller sur l'arbre. Désolé, petit fail. Petit fail, petit fail. Mais ouais, pour le coup, ça me surprend vraiment.
Ça me surprend vraiment. Et là, je sais pas ce que c'est comme endroit. Je sais pas ce que c'est comme endroit, mais j'ai l'impression que je ne dois pas être là. Le petit oiseau là doré que vous voyez là, c'est un petit oiseau qui vous permet de trouver des améliorations, de trouver des petites choses à faire. Bon, est-ce qu'on va le suivre? Ouais, allez, écoute. On va le suivre, de toute façon je ne pense pas qu'il va m'emmener dans un coin bien lointain. En général, c'est des petits endroits, des petits endroits comme les bambous, voilà. Ah, et je vois, voilà, je vois où est-ce qu'il veut m'emmener. Donc ça, c'est un lieu pour faire, voilà, pour faire ce qu'on appelle des haïkus. Alors, des haïkus, je crois plutôt que ça se dit. Les haïkus, ce sont tout simplement des poèmes, des petits poèmes japonais très courts. Et c'est encore une fois, c'est un petit... ça fonctionne, c'est pour l'ambiance, en fait. C'est vachement, c'est pensé pour l'ambiance. On se pose, tranquille, réflexion sur la paix, et on compose nous-mêmes un petit haïku. Un petit poème, quoi. Donc on regarde un petit peu un sursis caché, le suivre en suivant la brise. Ça me parle bien, ça. Ou alors en veillant sur tout. Je vous laisse écouter l'ambiance. Et voilà, donc là on a fait un petit haïku et ça nous donne un bandeau. Voilà, ça nous donne un bandeau, donc qui est un objet de customisation qui a évidemment ses petites caractéristiques. Putain, mais regardez-moi ça, sans déconner. Oh là 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 là. Et le jeu est rempli de visuels comme ça. En particulier à un certain endroit qui s'appelle, je crois, c'est là où j'ai pris la plus grosse claque, je pense, parce que je trouve ça magnifique. C'est à la forêt d'or. C'est à la forêt d'or. Je sais pas si elle est quelque part... si on peut... Voilà, elle est par ici. Voilà. La forêt d'or, elle est par là. On va y aller un petit peu après. Tout d'abord, on va faire une des nombreuses missions du jeu. Et ça, je vais pouvoir vous montrer le gameplay. Je ne sais pas si du coup, parce que évidemment, on incarne un samouraï. C'est un jeu qui est très... qui respecte véritablement les traditions japonaises, qui est très... J'allais dire féodal, c'est pas vraiment le cas, enfin, je veux dire, j'essaye de trouver un nom pompeux, je vois pas pourquoi, mais... C'est un jeu qui est très traditionnel dans sa forme, en fait. Véritablement, dans... Il respecte vraiment, du moins cette impression que j'ai, parce que je suis pas un expert dans le Japon, mais ce jeu nous donne véritablement l'impression, et de ce que j'ai compris, les Japonais sont très très contents de Ghost of Tsushima. Pourquoi? Bah parce que, étant donné... Oula, à faire une petite confrontation, ça c'est un petit truc que j'aime bien, c'est encore une fois, c'est un petit mini-jeu que je trouve très cool, c'est les petits duels comme ça. Si! C'est une petite mise en scène, voilà, ça nous permet de supprimer... Deux personnes. Fous-moi le camp. Dégage. Ça c'est fait. Avec le petit geste à la Link. C'est stylé. C'est super stylé. Donc ça évidemment ça fait partie des nombreux petits événements aléatoires qui sont dissimulés sur toute la map. Et du coup les mecs ils m'ont coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, dans le sens où je parlais ouais du fait que ce jeu a été vraiment apprécié par la communauté japonaise. Oui, parce que dans ce genre de jeu fait par des studios qui techniquement n'ont rien à voir avec la culture qui est censée être représentée dans ce jeu,
On peut tomber dans du cliché facile, on peut tomber dans de l'incompréhension, je veux dire les chocs culturels et tout. Je veux dire, on peut tomber dans des petites fautes, des petits hors-sujets. Eh ben apparemment, d'après les Japonais eux-mêmes, ce n'est pas du tout le cas et les gars ont véritablement félicité les développeurs. Ils ont vraiment félicité les développeurs pour l'ambiance qui est retranscrite, le côté traditionnel qui est respecté. Et d'ailleurs, je me demande même, parce que là, pour tout vous dire, je vois un petit peu où est-ce que le scénario m'amène. J'ai l'impression que les mecs essayent de raconter l'apparition d'un nouveau style de guerrier. Est-ce que je vais vous spoiler ou pas? Mais non, allez, je vais pas vous spoiler. Mais en gros, moi, je pense que la finalité de ce jeu, de ce scénario, ça va être tout simplement l'apparition et l'acceptation d'un nouveau style de guerrier au sein de la culture japonaise. Donc, c'est mine de rien quelque chose d'assez tendu, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de choses, surtout en parlant d'un certain type de guerrier, donc qui sont les samouraïs, qui sont très très axés sur l'honneur. Il faut pas se chier avec ça. Eh bien, apparemment, les développeurs, ils ont complètement compris. Ils ont complètement compris qu'il fallait surtout pas se chier et qu'il fallait véritablement respecter tout ça. Et apparemment, ils l'ont très bien refait. Donc, ce que l'on va faire là, pour le coup, c'est une espèce de petite mission que vous connaissez déjà, à la Assassin's Creed. On se retrouve au village de pêche, au village de pêcheurs de Ketchi. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est symbolisé par un petit symbole rouge. Qui dit rouge dit ennemi, et comme c'est indiqué, c'est un territoire mongol. En gros, le but de cette petite zone, il va falloir secourir trois otages qui sont disséminés dans ce petit village. Et on a la possibilité de le faire soit en mode bourrin, soit en mode discrétion. Encore une fois, strictement rien de nouveau. C'est du classique. Voilà, c'est véritablement du classique. Mais il y a mine de rien, pour ma part, il y a mine de rien une grosse différence. La grosse différence, c'est que en général, dans les Assassin's Creed ou dans les Far Cry, quand tu commences à faire la chose de façon complètement bourrine, c'est que tu t'es foiré. C'est que tu t'es foiré et la façon de faire complètement bourrine, j'ai envie de dire, oula, oula, oula. Hop là, la façon de faire complètement bourrine, j'ai envie de dire, c'est du gros bordel. C'est... Oh merde, putain. Nya, la ferme. Donc ça va, j'ai pas été repéré. Hop là, oh merde. Ouh. Bon, l'IA est complètement aux fraises, hein, à certains moments. L'IA est complètement aux fraises. Comme la plupart de ce genre de jeu. Car on va faire un petit assassinat stylé là. Ah non, putain, il est parti le salaud. On débloque une technique à un certain moment qui nous permet de buter, d'assassiner les gens à travers les. Je crois que ça s'appelle des shoji. Ce genre de porte. Donc on va assassiner celui-là. Je crois que c'est le dernier. Mais oui, le truc que je voulais dire, c'est que. À l'inverse des Assassin's Creed ou des Far Cry, quand on part en mode complètement bourrin, c'est qu'on s'est complètement foiré. Et le mode bourrin, bah, c'est du bourrin, c'est-à-dire c'est pas réfléchi, c'est pas intéressant pour ma part. Mais la différence, c'est que dans ce Ghost of Tsushima, par respect pour le côté traditionnel des samouraïs, à savoir ce sont des gars qui sont véritablement. Comme je l'ai dit, ils sont très axés honneur et fierté. Autrement dit, le fait de faire le ninja comme ça, de faire le shinobi, c'est très mal vu. C'est vraiment très très mal vu parmi les samouraïs. Et justement, Jin Sakai, lui, malheureusement, bah, c'est fait partie des gars qui a compris qu'il fallait un petit peu passer au-delà. Je suis en train de vous spoiler un petit peu, mais c'est bon, c'est pas trop grave encore. Le scénario n'a rien de transcendant, c'est un scénario qui est très classique. Mais voilà, le personnage que l'on incarne, donc Jin Sakai, qui est un samouraï de formation, eh ben il comprend qu'il faut, pour certaines
Pour certaines exceptions, comme notamment la grosse invasion mongole, il faut savoir contourner certaines règles du code des samouraïs, parce que sinon, bah, c'est la mort, quoi. Sinon, c'est tout simplement la mort et c'est signé la fin de la civilisation japonaise. Ce qui est mine de rien un message à l'heure actuelle, quand on voit tous les problèmes sociétaux que l'on traverse et que beaucoup de pays traversent, c'est mine de rien pour ma part un excellent message. C'est un excellent message, c'est pas quelque chose qui est... En plus, le jeu est complètement... C'est pas un jeu qui est manichéen. Voilà, c'est pas un jeu qui est là en disant les Japonais c'est les gentils, les Mongols c'est les méchants. Non, c'est un jeu qui clairement te montre que même parmi les Japonais, il y a des salopards, il y a des traîtres, il y a des... Bref, c'est tout sauf manichéen. Évidemment, c'est pas du Shakespeare au niveau de l'écriture, hein, ça reste assez simpliste, mais c'est efficace. Voilà, c'est simpliste, mais c'est véritablement efficace. Donc là, en gros. Oula, oula, oula. Heureusement que l'IA est complètement conne, hein. Encore une fois, c'est un jeu qui a énormément de défauts, je veux dire, qui a des défauts typiques de ce genre de jeu. Voilà, c'est un... On pourra pas, malheureusement, y échapper. Donc la petite flèche dans la tête qui fait plaisir. Il y en a un qui est passé en dessous. Ah, voilà. Hop là. Hop là, on zigouille un petit peu tout le monde. Rah, raté. C'est pas grave, on va faire un petit combat. Ça va faire du bien. Donc, que je vous explique le gameplay. Attendez, il va falloir que je bute ce salopard. Voilà, parce qu'il voulait buter. Il voulait buter l'otage, parce que ça, c'est une des particularités. À l'inverse d'un AC, encore une fois, ou dans ce genre de... Dans ce genre de zone, je crois, enfin de mission, je ne pense pas que l'otage risque quoi que ce soit. Là, si jamais on se fait repérer, on prend le risque de mettre l'otage en danger parce que les mecs vont directement le buter. Au niveau du gameplay, donc, la particularité, j'ai tapé dans le micro, désolé, la particularité de ce Ghost of Tsushima, c'est qu'il nous donne la possibilité d'utiliser évidemment un katana et en mode bourrine, on a plusieurs postures, comme vous pouvez le voir. Posture de la pierre, posture de l'eau, posture du vent et posture de la lune. Ces différentes postures ont une certaine efficacité sur les différents types d'ennemis que vous allez pouvoir croiser. Vous allez croiser des ennemis qui vont combattre au sabre, dans ce cas-là, ce sera la posture de la pierre qu'il va falloir utiliser. Ceux qui utilisent une arme et un bouclier, ça va être la posture de l'eau. Pour ceux qui utilisent un piquet, ça va être la posture du vent. Et pour les grosses brutes, qui utilisent en général, je crois que c'est une boule mongole, je crois que ça s'appelle, il va falloir utiliser la posture de la lune. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces différentes postures pour ces ennemis, mais disons que ça va vous faciliter la tâche. Et là, ce que l'on va faire directement, c'est qu'on va y aller de façon complètement bourrine. Parce que le ninja, c'est mignon, mais on n'a pas besoin de ça. On est un samouraï. Les conneries de shinobi, c'est des conneries. Bon, lui, c'est un archer, donc lui, il mérite aucune race. Les archers, au début du jeu, d'ailleurs, c'est une plaie. Mais une plaie, mais infâme. C'est une plaie complètement infâme, parce que pour le coup, ils ont une précision de taré. Allez, viens ici, mon grand. Ah, raté. J'essaye de faire une parade parfaite, parce que pour le coup, c'est très stylé. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Il faut que je me dépêche. Parce que l'autre, il va buter... Ah, il va buter l'otage. Où est-ce qu'il est? Yeah, salaud! C'est bon. On l'a sauvé. Bonjour, mon grand. Ah, lui, il a un bouclier, par exemple. Mais là, le problème, c'est que, étant donné que je suis sur l'île de départ, en fait, mon samouraï est devenu trop puissant pour la plupart... Il est devenu beaucoup trop puissant pour la plupart des combattants qui sont présents sur la première île. Mais bon, ça, on le voit dans des combats avancés.
Ah, apparemment, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres guerriers. Y a-t-il quelqu'un ici? Là! Le jeu a été quand même très très généreux, parce que on l'a vu, hein, le mec, il était pas du tout devant la porte. Hein. Il était pas du tout devant la porte. Mais sur certains aspects, le jeu est véritablement très gentil avec nous. Mais, faut savoir que c'est un système de combat qui est assez punitif. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir une dizaine de personnes en face de nous, si on est très bon, on peut les déglinguer. Mais il faut vraiment être bon. Il faut vraiment être bon, parce que la plupart du temps... les ennemis se regroupent. Voilà, la plupart du temps, les ennemis se regroupent. Les ennemis n'attendent pas spécialement leur tour, même s'ils sont quand même encore une fois très généreux. Mais à certains moments, enfin, je me suis fait botter le cul, mais en mode YOLO, quoi, parce que j'étais en mode ouais, vas-y, je viens de défoncer trois mecs en même temps. L'IA est complètement conne. Au final, je me retrouve devant un groupe de 5 personnes. J'essaye de les défoncer, puis au final, les 5 m'ont attaqué en même temps. J'ai vu flou. J'ai complètement vu flou. Je fais, ah, c'est compliqué quand même. Oh, elle est pas mal, cette image. On sent aussi un truc qui est assez intéressant en termes de mise en scène. C'est pas vraiment très bien fait, malheureusement, parce qu'il y a très peu de quêtes annexes. Il y a très peu de quêtes annexes mise en scène. Bah, c'est-à-dire, très souvent, les quêtes annexes, ça va être juste deux plans de caméra, avec un petit ratio d'images, qui, je pense, est là véritablement pour faire un hommage au film traditionnel japonais. Je pense véritablement que c'est ça. D'ailleurs, dans les cinématiques, dans les véritables cinématiques scénarisées du jeu, il y a des plans... Mais les plans, mais c'est... Je veux dire, les plans de caméra, mais c'est tellement des plans... cinématographique, je dis tout simplement, c'est tellement des plans cinématographiques, je veux dire, quand tu arrives au tout début du jeu, hein, quand tu arrives sur le pont pour défier Kotan Kan, c'est tellement beau, c'est tellement beau, et tu ressens véritablement la... Oh, il y a de la pêche, apparemment. Hop là. Alors, on peut nager en surface. L'eau est pas super bien faite, hein. Ça, c'est véritablement le seul point négatif, entre guillemets, que je peux donner au jeu. Oh, apparemment, on peut pêcher. Vraiment? Non? Alors, apparemment, non, on peut pas pêcher. Ah non, c'est juste une quête annexe. Les bandits rieurs. Alors, montre-moi ça. Qui est ce monsieur? Ah, c'est là-bas. Les bandits rieurs. Ouh là, apparemment, il y a quelqu'un qui demande pardon. Quelqu'un qui s'est fait choper. On va voir ce que c'est, tiens. Moko ならば去ったぞ。Moko ではなく、族の一味が、コモダを荒島割っているのです。私の家族も、皆殺しに、ひどい有様で。俺が仇を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ?我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。 Parfait, donc une petite quête annexe s'est lancée, donc là c'est un nouveau récit, le jeu appelle ça des récits, les bandits rieurs. Donc certainement que voilà, il va y avoir un petit campement quelque part. Rendez-vous à la maison de Saki, donc c'est à 820 mètres, ah, c'est assez loin quand même. Hein. C'est assez loin, bah écoutez, de toute façon, on va appeler notre cheval, notre fidèle destrier. Appeler notre fidèle destrier pour aller jusqu'à cette quête. Certainement que ça va être, voilà, ça va être une petite... un petit groupe de mongols qu'il va falloir défoncer. Une fois que ce sera fait, il faudra revenir ici pour pouvoir parler au PNJ. Enfin, c'est très classique. C'est ultra classique. Mais comme je vous ai dit, l'aspect côté Japon traditionnel, l'ambiance, le monde ouvert, je ne sais pas pourquoi. Je devrais lui cracher à la gueule à ce jeu. Véritablement. Je devrais véritablement lui cracher à la gueule. Mais putain, ça marche. Ça marche. Alors que je suis pas spécialement un gros fanatique du Japon, même si bon, c'est un pays que je rêve d'y retourner. J'aimerais beaucoup y retourner au Japon.
Mais je suis pas un fanatique, enfin je veux dire, je suis pas un espèce d'abruti d'otaku qui voue un culte à ce pays, tu vois, sans même connaître véritablement ce que ce pays représente. Je vais pas te dire le Japon, c'est le meilleur pays du monde, tu sais, alors que je ne connais pas du tout l'histoire du Japon. Si ce n'est son implication dans la guerre de Corée, c'est le seul truc que je connais, tu vois, mais c'est tout. Mais donc je suis pas un adorateur, voilà, je suis pas un adorateur du Japon. Ça m'intéresse quand même pas mal, mais j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'ambiance, et vous allez peut-être trouver ça con, mais je trouve que ce jeu, en fait, je suis complètement zen. C'est con, mais je suis complètement zen. C'est très relaxant. Jouer à ce jeu, c'est vraiment très relaxant. Encore une fois, il y a la zénitude de ce dernier qui est dégagée par l'ambiance, par la direction artistique, par le level design, je veux dire, c'est... Vraiment, c'est reposant. Ah, faire une petite confrontation encore? Parce que là, il y a des petits bandits et on ne peut pas laisser les bandits foutre le bordel encore plus sur l'île de Tsushima. Yeah! Alors, mon petit. Oh, tu n'as pas peur? Minable. Minable. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé ce genre. Les animations et tout, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien fait. C'est très respectueux surtout. C'est très respectueux du style de combat au katana. C'est voilà, c'est très agréable. Vraiment très agréable. Il y a un côté jouissif. Il y a un côté véritablement très jouissif dans ce système de combat. Enfin voilà, c'est le maître mot, je veux dire. Regardez-moi ce monde, quoi, je veux dire. C'est encore une fois, c'est pas le jeu le plus beau que j'ai pu voir. Clairement pas. Je veux dire, c'est encore une fois, on est très loin d'un The Last of Us 2 ou d'un Uncharted. Je veux dire, on est très loin des jeux Ubisoft. Mais sans déconner, la DA est dingue. Et mine de rien, ça me rassure un peu. Ça me rassure un peu parce que pour tout vous dire, ce genre de jeu pullule depuis des années. Et ils ont tous évidemment le même défaut. Ce Ghost of Tsushima ne fait pas exception à la règle. Il a exactement les mêmes défauts que la plupart de ces jeux. Mais il y a un truc pour moi il faut ce petit truc pour que moi, je puisse être happé dans ce jeu. Et pour ma part, bah, comme je vous l'ai dit, le point le plus intéressant et le plus important dans ce genre de jeu, c'est la gestion du monde ouvert. La gestion du monde ouvert, le travail qui est fait, la direction artistique et l'ambiance. Parce qu'étant donné que c'est un style de jeu dans lequel on va passer, je veux dire, c'est magnifique, putain, c'est tellement magnifique. Étant donné que c'est un jeu sur lequel on va passer des dizaines et des dizaines d'heures, si pour ma part le monde ouvert n'est pas encourageant, pas intéressant, ou s'il y a une ambiance banale et basique, ça ne va pas m'intéresser, et je vais, au bout de 10-15 heures de jeu, comme je vous l'ai dit, je vais complètement le laisser de côté. Enfin, je vais laisser de côté le jeu, je vais peut-être même pas le terminer, j'en aurai rien à foutre, enfin, voilà, quoi. Bref, ce que je pense à Watch Dogs, je pense à Watch Dogs, à Assassin's Creed et tout ça. Bref, c'était très agaçant. C'est très agaçant. Et force est de constater que pour moi, ce Ghost of Tsushima, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il réussit pour ma part à me donner envie. Il réussit à me donner envie à visiter ce monde, à faire des quêtes, à me balader. Il y a évidemment, comme vous le savez, un système de voyage rapide. Le système de voyage rapide, je l'ai utilisé, je crois, deux fois. Je l'ai utilisé deux fois, oui, j'ai fait quasiment toute cette île-là, j'ai visité toute cette île à pied, parce que voilà, parce que j'aimais beaucoup ce que je voyais, j'adorais complètement le fait de me balader, vous voyez, mais bon, c'est un petit peu dommage, parce que encore une fois, en termes d'ambition, on est très loin, pour ma part, d'un Breath of the Wild, ce qui est un petit peu normal, parce que pour le coup, Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui se veut être un petit peu plus réaliste, pour le coup. Donc, c'est fort dommage, et puis même dans sa construction, dans le nombre de petits... C'est un jeu qui est très répétitif, évidemment, comme tous les open world de ce genre,
Mais je sais pas. Moi, pour moi, j'aime beaucoup me balader, et c'est certainement le premier jeu monde ouvert comme ça, bien fat, que je vais m'empresser de torcher. Ah, apparemment, une petite suite. Bonjour monsieur, vous êtes fait attaquer par les bandits, c'est ça? Oh, ce plan. Oh, ce plan. Les effets de lumière, c'est impressionnant. Bon, par contre, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux effets de lens flare, hein, parce que ce jeu en est rempli. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, nom de Dieu, la gueule qu'il a. Regardez-moi ça, la gueule qu'a ce jeu, c'est ouf. Et ah putain, et d'ailleurs, un petit détail que je trouve excellent. Il y en a beaucoup qui font les puristes à la mort moelle-neuve, mais ce jeu a un système de raccourcis presque. Je sais pas comment dire, mais disons, comme vous vous en doutez, dans le monde ouvert, il y a énormément de ressources. Putain, regarde-moi ce plan, connard! Regarde-moi ce plan! Bref, pardon. comme vous en doutez, dans ce genre de jeu, évidemment, il y a pas mal de ressources à droite à gauche à récupérer pour faire différentes choses, des améliorations, etc., etc. Comme ça, là, vous voyez, c'est une fleur. Et vous, et regardez, hop là. C'est instant. Il n'y a pas d'animation quand tu récupères des ressources. Même quand tu es à cheval. Quand tu es à cheval, tu passes à côté d'une ressource, et ben, tu appuies sur R2, il récolte la ressource. C'est très bien. C'est très bien. C'est ça qu'il faut faire. Parce que je peux vous dire que, après avoir joué 15 heures à Horizon Zero Dawn, je n'en pouvais plus. Ça me donnait envie de vomir. Véritablement. Et que tu descends du cheval, et que tu te mets à côté de la ressource, et que tu appuies sur le bouton, et qu'il y a une petite animation comme quoi elle récupère la ressource. Et il faut faire ça pour absolument tout. Ghost of Tsushima, certes, c'est moins réaliste, c'est moins détaillé, mais putain que c'est agréable. C'est agréable d'avoir un système de récupération de ressources comme cela. Parce que ça t'arrête pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu avances. Tu as une ressource à côté de toi, t'arrives, t'appuies sur un bouton, hop, tu continues. C'est tellement plus agréable. Et c'est là où je me dis véritablement, la course au réalisme, ça a quand même ses grosses parts d'ombre. Ça a quand même ses grosses parts d'ombre, mon petit. Tu oses me défier. C'est un tout petit mini-jeu qui est très simple, hein. Encore une fois, c'est juste... C'est un semi... QTE. J'aime pas les archers. Oui, mon grand. Tu es faible, mon ami. Tu es très faible. C'était nul. Tellement stylé. C'est trop stylé. Ah oui, ça c'est un truc, au fait. C'est un truc que... Le jeu me donne envie... Oula. Attendez, parce que eux, ils sont chiants. Le jeu me donne envie de jouer roleplay. Voilà, c'est pas un jeu qui me donne envie de rusher comme un sac, comme ça, en mode... Et d'attaquer les mecs en mode full bourrage de manette. Non, c'est un jeu qui véritablement, encore une fois, de par son ambiance, de par son système de combat... qui est très respectueux et très réaliste, et très basé sur le timing. Regarde-moi ça, ces effets de reflet et tout, putain, c'est trop beau. C'est un jeu qui me donne envie d'être roleplay. Voilà, de jouer en mode roleplay. C'est-à-dire, souvent, bah, voilà, je me balade comme ça, je marche. Quand il y a un groupe d'ennemis, je marche devant, je ne cours pas vers eux. J'ai dit, c'est... Enfin, après, il y a pas mal de petits détails aussi qui sont un petit peu agaçants, genre quand vous avez votre cheval et que vous avez envie d'attaquer un groupe de Mongols qui se trouve sur votre chemin, c'est complètement con et c'est inutile malheureusement parce que votre cheval se fait systématiquement défoncer et vous vous faites déglinguer. Le mode d'attaque à cheval,
est très mal équilibré. C'est très mal équilibré, vous êtes tout le temps perdant quand vous êtes à cheval, donc ça ne sert à rien, autant se baisser, avancer et défoncer tous ceux qui se trouvent devant vous. Bon, par contre, j'avais pas vu, c'était à 700 mètres, donc on va récupérer notre cheval et on avance. On va pas passer par là, ça ne sert à rien. Voilà, on va passer par ici. Alors évidemment, l'île de Tsushima est complètement dévastée, hein, due à l'invasion de Mongols. Oula! Petite madame qui veut parler. Ça, par exemple, ça c'est un espèce de petit dialogue. C'est un tout petit dialogue qui se déclenche. 私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作って、ずっと竹刀を振り回してましたよ。竹を切るか。腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが登りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。達者で。 D'accord, donc apparemment il y a un petit. Il doit y avoir un truc de support de bambou ici. Peut-être. Donc encore une. C'est le petit mini-jeu que vous avez vu dès le départ, hein, qui a la particularité de nous faire progresser dans notre détermination. À moins que. Je ne sais pas, je le vois pas. Apparemment non. Donc c'était juste un petit dialogue comme ça pour nous dire oui, il y a des trucs de support de bambou. Bah, pourquoi pas, écoute. C'est un truc que j'avais appris tout seul, ma grande. Mais enfin bon, on va continuer à se balader. On va couper un petit peu. On va pas suivre uniquement la route. On va se balader. Mais bon, c'est vrai que je vous ai pas spécialement bien expliqué le gameplay. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple. En fait, vous avez un bouton pour parer. Vous avez un bouton pour attaquer. Vous avez la possibilité d'utiliser des armes de jet, également des armes de tir. C'est quelque chose de très classique. Là où il est assez subtil, c'est dans sa mécanique de gestion des différentes postures pour appréhender tel ou tel ennemi. C'est véritablement le point qui fait que ce Ghost of Tsushima est assez différent d'un jeu comme Assassin's Creed, par exemple. Mais sinon, voilà, je veux dire. Pour ma part, c'est un jeu. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez les Assassin's Creed, bah, vous pouvez foncer. Véritablement, vous pouvez foncer. Mais pour moi, ce Ghost of Tsushima, il a ce petit plus. Il a ce petit plus, et dû au fait de ce petit plus, je pense véritablement que. Trouver les bandits dans les ruines. Ah, parfait. Hop là, on va aller les affronter comme des bonhommes. Mais je trouve que ce petit plus, le jeu te le donne. Encore une fois, l'exploration est très agréable. C'est un vrai plaisir de se balader dans ce monde. Les petites confrontations comme ça, le système de combat, c'est assez jouissif. N'est-ce pas, mon grand? Oh, il me fait des feintes. Inutile, petit. Bien. Et là, on va voir, il y a beaucoup de bandits. Donc on va le tuer, lui. Parce que voilà, j'aime pas les archers. Et là, on va se retrouver dans un cas où on va être, je pense, submergé. Allez, fous-moi le camp. Les animations sont vraiment très cool. Dégage de là, toi. Suivant. Toi aussi, mon grand. Toi, tu préfères. GG l'IA. Bon, écoute, t'as pas envie de frapper. Je vais pas t'attendre 50 ans. Vous, les archers. Ah merde, il y en avait deux. Yeah! Cette technique est magnifique. Viens ici. Y en a-t-il d'autres qui veulent négocier? Apparemment, oui. Alors, il y a un système de semi-lock dans ce jeu. À savoir, votre personnage, dès qu'il y a un combat, votre personnage lock directement votre ennemi. C'est-à-dire, il sera toujours dans la direction
de votre ennemi. Il y a cependant un petit bémol, c'est que c'est un semi-lock. C'est-à-dire, certes, notre vision, notre personnage lock l'ennemi, mais pas la caméra. La caméra est reste complètement libre, même pendant les combats. Ce qui fait que pour le coup, eh ben, autant dans certains moments, c'est pas véritablement dérangeant, c'est pas véritablement dérangeant le fait qu'il y ait un semi-lock, autant quand on se retrouve par exemple dans une maison, comme ici, et que vous avez un combat à faire, c'est une horreur. Voilà. Bonjour madame. C'est une véritable horreur. C'est un truc de fou. ハルオっていう族の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。そのああ、d'accord. Donc là, on s'est fait malmener, on s'est fait utiliser. Malheureusement, on a buté des bandits, donc c'est pas très. Mais vous voyez, enfin, ça rejoint ce que je disais avant. Il y a quelques petites quêtes comme ça qui te montrent que voilà, le monde dans lequel tu es, dans lequel tu vis, ce n'est pas du tout un monde manichéen. Il n'y a pas juste les méchants et les gentils. Tout le monde a sa part d'ombre, sa part de lumière, que ce soit mongol ou japonais. Et encore une fois, regarde-moi ce visuel. Regarde-moi ce visuel en pleine nuit, les reflets, tout ça. Putain, c'est beau, sachant qu'on est juste sur PS4 normal, hein, on n'est pas sur PS4 Pro. Mais enfin bon. Donc, écoutez, je pense qu'on a suffisamment parlé pour l'instant de ce Ghost of Tsushima. Je vais vous laisser un petit peu avec quelques petites captures que j'ai fait en off. Parce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus en détail de ce genre de jeu. Parce que véritablement, je trouve que ce jeu aurait pu être véritablement parfait. On va se finir avec un petit combat. Ce jeu aurait pu être véritablement parfait. Donc attendez, je mets pause vite fait. Ce Ghost of Tsushima aurait pu être véritablement un jeu parfait et excellent si seulement il n'était pas tombé dans la... Bah, si seulement il avait fait autre chose que de suivre les règles, en fait, que de suivre les règles établies par des jeux comme Assassin's Creed. Ouais, je trouve que ce Ghost of Tsushima aurait eu tout à gagner par rapport à... On va en parler en off, je vous laisse un petit peu avec le combat, une fois que le combat est terminé, je reprendrai la parole. Bien, donc pour le coup, donc là on est en off, hein, vous allez voir tout simplement des petits trucs très stylés, certainement que ça va commencer avec un petit duel que j'ai réussi à capturer, encore une fois la mise en scène et tout le bordel, je veux dire c'est magnifique, c'est très très bien fait, c'est des petits duels comme ça que vous pouvez croiser à droite à gauche, ça fait partie des nombreuses quêtes qui sont à votre disposition, mais oui, je voulais en profiter de cette vidéo test, tout simplement pour vous partager une réflexion, tout simplement, parce que, de ce que je vois, ce style de jeu, moi, grâce à Ghost of Tsushima, ça m'a un petit peu rassuré sur moi-même, parce qu'encore une fois, quand tu joues à pas mal de ce genre de jeu, et que t'es là, tu fais putain, mais ouais, mais c'est chiant, encore une fois, il y a ci, encore une fois, il y a ça, putain, tu fais toujours la même chose, putain, que c'est relou.
Je dis, ça, au bout d'un moment, ça te fait dire, bah, ce genre de jeu, c'est pas fait pour moi. Ce genre de jeu, c'est pas fait pour moi, je dois me faire à l'idée, quoi, tout simplement. Et ben pour moi, voilà, j'ai été rassuré parce que ce Ghost of Tsushima m'a montré que non, c'est pas une question de style de jeu, c'est véritablement une question d'ambiance, une question de travail, une question de ce qui nous est montré, une question de direction artistique. Et pour ma part, la chose la plus importante dans ce genre de jeu, comme je vous l'ai dit, c'est le monde ouvert, l'exploration. Est-ce que ce monde nous donne envie de l'explorer ou non? Est-ce qu'on n'est pas cancérisé? Est-ce que y jouer, c'est quelque chose d'assez fluide? À l'inverse d'un jeu comme Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn qui pour moi est une plaie, mais une plaie, mais mon dieu! À y jouer, mais c'est dégueulasse, c'est chiant, c'est haché de partout, les animations ultra réalistes, ça fait que te ralentir, le scénario est cliché as fuck, mais pas intéressant pour un sou, alors que ce Ghost of Tsushima, lui, le scénario, il est simple, mais suffisant, simple et efficace. Il y a une différence entre un scénario qui est simple et efficace, et un scénario de merde qui est facile et clicheton as fuck. Et Horizon Zero Dawn, pour ma part, c'est ça. Et il y en a plein qui m'ont sorti, ouais, mais non, mais la fin quand même, m'en bats les couilles, ça devient chiant. C'est pas parce que le jeu a 10% de choses intéressantes dans son scénario à la toute fin que ça y est, le scénario il est bon. Non, il y a 90% de merde, donc c'est de la merde ce scénario. Ghost of Tsushima, il est pas allé dans des trucs aussi compliqués, lui il a fait un truc simple. Voilà, tout simplement. Certainement qu'il va y avoir des twists, il y a déjà eu des petits twists après la trentaine d'heures que j'ai passé dessus. Mais voilà, je veux dire, la direction artistique, l'ambiance, les petits détails à droite à gauche. Oui, c'est pas un jeu qui est aussi bluffant qu'un The Last of Us 2, encore une fois, je me répète, en termes de réalisation, en termes de technique, notamment sur les animations faciales et tout ça, certes. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, et je trouve que véritablement, c'est un jeu qui respecte vraiment la culture japonaise, de ce que je vois. Enfin, je veux dire, ça a l'air véritablement de ne pas se tromper, je veux dire, c'est pas, les développeurs ne se sont pas pris les pieds dans le tapis en voulant raconter des trucs qu'on leur a dit, non, ils ont vraiment bossé, ils sont intéressés à la culture japonaise, et ils ont essayé de la retranscrire dans le jeu, et ça fonctionne vraiment très bien. Mais pour le coup, qu'est-ce qui fait que pour moi, qu'est-ce qui aurait pu faire que pour moi, ce Ghost of Tsushima puisse être un jeu parfait, entre guillemets, pour moi, idéologiquement parlant, bien sûr, j'entends bien, bah c'est encore une fois, c'est les travers qu'il a, à savoir, c'est un jeu qui est trop grand, pour ma part, c'est un jeu qui est trop grand, malheureusement, il y a une région de trop, clairement, il y a une région de trop, il y a peut-être une chose, ce jeu donne envie, ce jeu véritablement donne envie. Et il est maîtrisé, pour ma part, sur la première île, il est véritablement maîtrisé. La faiblesse, malheureusement, ça va être sur la longueur. Ça va être sur la longueur, parce que pour le coup, je crois qu'il n'y a que The Witcher 3 qui a véritablement bien réussi ce genre de recette, à savoir apporter des quêtes annexes, certes, mais des quêtes annexes un petit peu plus scénarisées. Malheureusement, ce Ghost of Tsushima ne réalise pas ça d'une bonne façon. Parce que dans Ghost of Tsushima, bah, vous avez vu le type de quête annexe que l'on a. C'est très simpliste, on a un champ, un contre-champ, presque, enfin on a deux plans de caméra sur les deux personnes qui sont en train de discuter, avec le changement de ratio d'image, qui est plutôt cool, hein, encore une fois, ça te donne un aspect un petit peu plus cinématographique, dans les phases, uniquement dans les phases où il y a un échange, où il y a un travail de mise en scène, bref, où il faut écouter, n'est-ce pas, The Order, je ne sais pas, c'est là où tu vois la différence, quoi. The Order, c'est un jeu à la con, un film interactif qui a voulu se camoufler en TPS, les mecs ont choisi un ratio d'image complètement cinématographique. Ghost of Tsushima, il assume, on est un jeu vidéo, oui, pendant les phases de cinématique, pendant les phases narratives, on va avoir un ratio, je sais pas, faudra demander à Durandal, je sais pas, pour savoir c'est quoi le ratio d'image, moi je m'y connais pas assez, mais on a un ratio d'image, on a deux bandes noires qui apparaissent, mais dès que le jeu reprend, dès que nous on reprend possession de notre personnage, on a le ratio d'image qui disparaît
et qui redevient full écran. Voilà, on redevient plein écran. Et ça, je trouve ça cool. Dans la narration, pour moi, ça apporte de l'immersion. C'est très cool. Mais au-delà de ça, voilà, j'aurais aimé que ce Ghost of Tsushima soit plus petit, nous propose un monde plus petit, mais plus dense. Et ça, c'est le truc qui me fait flipper, parce que, encore une fois, quand tu vois la direction que prennent Ubisoft, c'est con, mais les seuls qui sont en train de prendre la bonne direction dans ce style de jeu à monde ouvert, eh ben, c'est Touquet. Et c'est horrible, parce que Touquet, moi, je leur vomis à la bouche depuis qu'ils ont salopé NBA 2K, et toute leur politique de microtransactions et tout le bordel. Moi, je déteste Touquet. Je trouve que ça devient les Electronic Arts modernes. Mais ils sont en train, pour moi, de prendre le bon chemin en ce qui concerne la gestion des mondes ouverts, à savoir avec GTA 6, où les mecs nous ont très clairement dit, ça va être un monde bien plus petit que GTA 5, mais pour le coup, ça va être un monde bah, qui a toutes les chances d'être beaucoup plus maîtrisé et plus dense et plus intéressant et donc plus rythmé. Et ce qui fait que, bah, pour ma part, on va avoir un style d'open world bien plus maîtrisé. La taille, ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant uniquement quand tu mets l'exploration sur le devant de la scène. Et c'est clairement ce que fait ce Ghost of Tsushima. C'est-à-dire, tu peux te balader à droite à gauche, tu as de grandes chances de découvrir des petits lieux par-ci par-là. Il y aura des choses à faire. Ça me fait un petit peu penser à Breath of the Wild sur certains points. Véritablement. C'est-à-dire, c'est pas un jeu comme Death Stranding qui te propose un monde immense mais vide de substance. C'est pas un jeu comme les Assassin's Creed, comme Odyssey par exemple, où tu as un monde, encore une fois, tu as une map qui est immense, mais où facilement 30 à 40% de la map, c'est du vide. C'est du vide. Ou alors il n'y a rien qui se déclenche si jamais tu n'as pas déclenché une certaine quête annexe. Ghost of Tsushima, c'est à mi-chemin entre Assassin's Creed et Zelda Breath of the Wild. Il te propose un monde ouvert avec quelques petites localisations qui sont amenées à être importantes uniquement dans le script de certaines missions, mais le fait qu'il y a pas mal de petites choses à faire, comme les sanctuaires, les terriers de renards, les entraînements au bambou, les pauses, les endroits où tu te poses les sources d'eau chaude, les endroits où tu te poses pour faire des IQ, c'est ce genre de petites choses-là, ça te donne envie d'explorer, mine de rien. C'est un petit peu dommage parce que c'est très répétitif, malheureusement, mais ça te donne envie d'explorer. Quand tu explores le monde de Ghost of Tsushima, tu ne te dis pas, mais à quoi ça sert? Pourquoi je veux explorer ce monde alors que je sais pertinemment qu'il n'y a rien? Comme dans un Death Stranding, par exemple. Je sais qu'il n'y a rien, donc pourquoi je me balade? Non! Ghost of Tsushima te donne envie de te balader. Il te donne envie de découvrir le monde. Et même si ce que tu fais est ultra répétitif, la direction artistique, l'ambiance et tout ça, ça te donne envie de rester et ça te donne envie de rester devant ton écran et de garder la manette entre les mains. Et c'est ce qui fait que, malgré le fait que, bah, pour ma part, ce genre de jeu, bah, je le vomis et je le vomis tout autant. Le prochain Assassin's Creed Valhalla. Mais jamais de la vie je toucherai à ce jeu. Parce qu'on sait très bien ce que ça va être. Et avec les gars d'Ubisoft qui te disent, oui, on va faire un monde encore plus grand. Parce que déjà, vos mondes ouverts de merde, dans Odyssey et dans tout ça, ah, ils étaient très beaux. Mais ils étaient putain de vides et putain de chiants. C'était infect. C'était véritablement infect. Red Dead Redemption 2, c'est pareil, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et on voit que ces mecs-là n'apprennent rien. Ces mecs-là n'apprennent strictement rien. Les gars sont là en mode YOLO. On va faire encore plus grand, on va faire encore plus chiant, encore plus d'objets à collecter, encore plus. Ghost of Tsushima, il a cet art-là. Parce que maintenant, malheureusement, c'est devenu une règle. C'est devenu une règle. Tout le monde suit la trame de Assassin's Creed. Personne ne suit la trame de Breath of the Wild. Et je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant, je trouve ça horrible. C'est vraiment dommage. L'industrie du jeu vidéo, pour moi, n'a pas suivi le bon embranchement. Et pour ma part, messieurs de Sucker Punch, si vous avez en projet
de faire une suite, même si techniquement je n'ai pas terminé le scénario, donc je ne sais pas vraiment si dire qu'il y aura une suite est intéressant. Je ne sais pas, mais si jamais vous avez en projet de faire une suite, ou alors de faire un jeu du même calibre, du même genre, s'il vous plaît, pensez plus petit, pensez maîtrise, pensez variété. C'est beaucoup plus facile de savoir maîtriser, de pouvoir maîtriser. C'est plus facile de maîtriser un monde ouvert plus petit. Tu peux le remplir d'un petit peu plus d'activités intéressantes. Tu peux amener un petit peu plus de variété dans les missions, dans les quêtes annexes. Étant donné que c'est un petit peu moins lourd, je suppose que tu peux même te permettre d'ajouter une bonne mise en scène à tout cela. Donc vraiment, j'espère que la recette des open world Assassin's Creed va se casser la gueule, ou alors qu'elle va prendre un embranchement différent. Parce que certes, faire un monde ouvert énorme, c'est intéressant. Ça peut être intéressant, pardon, mais pour ma part, ça peut être intéressant uniquement dans un cas de Breath of the Wild. Autrement dit, dans un style de jeu qui peut te permettre, dans un univers qui peut te permettre des changements de fou en termes de direction artistique, de plus de liberté, enfin, je veux dire, des choses intéressantes. Pour moi, ce Ghost of Tsushima, il y arrive. Il y arrive un petit peu, parce que malgré son aspect réaliste, avec tous les choix de DA, les différents champs, les forêts en tout genre, c'est magnifique. C'est encore une fois, c'est magnifique et ça te donne une certaine variété. Donc j'espère véritablement que plus tard, les open world seront vraiment mieux maîtrisés. Pensez plus petit, plus dense et arrêtez de penser plus grand et plus vide. Ça devient agaçant. Mais enfin, félicitations au mec de Sucker Punch. Vous avez fait un excellent travail et bravo pour m'avoir fait aimer un jeu de ce genre-là. Parce que putain de Dieu, c'était pas gagné. Allez, sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye!